Hey, salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné et bienvenue dans cette formation, précisément dans cette vidéo. Nous allons travailler ici sur la pagination comme promis la dernière fois. Le but ici, c'est de vous montrer comment intégrer la pagination. C'est très simple, vous allez voir et vous allez aimer. Donc sans plus tarder, nous allons nous diriger au niveau de notre éditeur de code. Donc je vais juste renverser un peu l'ordre. Alors, pour travailler sur la pagination, premièrement, nous allons changer ici. Donc, au niveau de notre application dernièrement, lorsque nous avons travaillé, lorsque nous inspectons ici, vous remarquez que lorsqu'on charge la page, d'accord, quand on vient ici et qu'on clique sur notre fichier index ici, vous remarquez que nous avons niveau scolaire. Niveau scolaire ici, c'est la propriété qui est renvoyée depuis notre contrôleur. Et ici, on peut bien voir les données que nous avons, d'accord. Et nous avons dit au niveau de notre composant index que niveau scolaire sera de type area, donc un type, le type tableau. C'est ce que nous avons fait au niveau de index vu ici là. Donc, sachez que lorsqu'on travaille avec la pagination, eh bien, on utilise la méthode paginate, d'accord? Et paginate ici, on va donner le nombre d'éléments qu'on veut voir par page. Ici, étant donné que nous avons que 4 niveaux scolaires, donc je vais mettre 2 pour nous permettre d'avoir au moins 2 pages. Et donc, quand je vais exécuter cette commande, donc si je viens ici, je recharge, eh bien nous aurons une erreur. L'erreur est due au fait que, donc là comme vous pouvez voir, l'erreur nous dit quoi? Bah, l'erreur nous dit tout simplement que le niveau scolaire est nul. En fait, nous sommes en train d'attendre au niveau de notre composant un tableau, alors que au niveau du niveau scolaire, lorsqu'on exécute la méthode paginate, elle renvoie plutôt une collection, donc elle renvoie un objet. Donc, on va commencer par changer le type de l'élément que nous allons récupérer ici. Donc, pour nous éviter d'avoir des erreurs, je vais d'abord prendre tout ceci, je vais supprimer, je vais remplacer par un tableau vide. Comme ça, on n'aura pas de problème à ce stade. Donc, ici, je vais changer la définition de ma propriété. Je vais dire, écoute, ma propriété sera de type objet. Donc, on écrit object, sera de type objet. OK? Et donc, si je fais ça, et que je viens ici, j'actualise, en réalité, je n'ai pas d'erreur. J'ai pas d'erreur. Et si vous venez ici au niveau de l'inspecteur, vous allez remarquer que là, nous n'avons plus un tableau, mais nous avons maintenant réactive et aussi c'est juste un objet. Nous avons un objet et voici toutes les propriétés qui sont envoyées avec notre objet. Donc là, par exemple, nous avons les data et puis nous avons les links. Les links, ce sont en fait des liens donc qui vont nous permettre de naviguer hein, par rapport à notre pagination. Donc les amis, à ce stade, vous avez déjà en fait les données de la pagination. Tout ce qu'il nous faut, il nous faut maintenant afficher ces données-là à ce stade-ci. Donc, comment on va faire pour afficher les données de la pagination? Donc, il nous faut boucler pour afficher cette pagination. Donc, je vais donc boucler au niveau de nos lits ici. Donc, nos lits ici, je vais boucler. Et à chaque boucle, je vais afficher l'élément qui correspond. Donc, je vais supprimer tout ce qui est là. On va plutôt commenter. Je vais juste commenter ça, pardon. Je vais juste copier un truc ici, d'accord. Et je vais commenter tout ça pour l'instant, d'accord. Et donc ici, je vais boucler. Je vais faire un vifor. Donc je veux boucler par rapport donc ici au link que j'ai ici là. Donc j'ai niveau scolaire link. Donc, je veux boucler par rapport à ça. Donc, à chaque link, j'aurai un link à l'intérieur de... Donc, si vous voulez, je peux l'appeler lien in niveau. Donc, prop niveau scolaire point links. Donc, je récupère la propriété links qui est là. Donc, il va boucler et à chaque itération, il va prendre la valeur là et il va le mettre à l'intérieur ici. D'accord? Bon, écoutez les gars, on va parler en anglais. Donc, on va garder link ici. J'ai juste écrit lien pour vous montrer que vous pouvez nommer tout ce que vous voulez à ce stade. Donc, une fois que j'ai ça, donc ici, à l'intérieur de mon lit ici, donc je suis en train de boucler. Et ici, je vais mettre en place, donc je vais créer ici mon lien. Rappelez-vous, les fameux links là vont nous permettre de naviguer facilement. Et au niveau du href, je vais maintenant mapper avec, donc je vais mapper avec l'URL qui provient à l'intérieur de link. Remarquez, à l'intérieur de link, nous avons des objets et ici nous avons l'URL, d'accord. Donc quand il n'y a rien, c'est nul. Quand il y a quelque chose, nous avons l'URL qui est bien mappé ici.
Donc ici, on va juste mettre, on va récupérer donc la variable link qui est dans notre boucle ici, link.url. Donc url, je dis bien, c'est la propriété qui intervient au niveau des éléments qui sont dans notre collection de links ici. Donc tout ce qu'on fait, on lui dit à chaque fois que, selon les éléments de link, selon les liens qui te sont envoyés, parce que nous avons fait ici paginate, Laravel va nous envoyer il va nous envoyer des informations qui sont formatées de cette manière. Et donc avec ces informations, nous aurons les données qui correspondent à la page actuelle que nous voulons visiter. Donc la page actuelle ici, c'est la page numéro 1, c'est la page par défaut. Et nous avons les liens qui nous permettent de naviguer entre les différentes pages. Donc nous prenons ces liens, nous bouclons dessus. Et à chaque itération, nous sommes en train d'afficher nos liens de cette manière. Et ici, on peut tout simplement, on pourra tout simplement écrire link. Donc, je vais regarder qu'est-ce que j'ai encore ici dans link. Nous avons link. On a le label. Donc je vais dire link.label. Donc si j'enregistre comme ça, j'actualise la page. Vous allez remarquer que ici là, j'ai previews, j'ai 1, j'ai 2. Et quand je clique là, voilà. Donc là déjà, les amis, j'ai ma pagination qui marche. Que vous le croyez ou pas, ça marche. Maintenant, nous allons également mapper les données au niveau de notre interface. Donc ici, on avait props.niveau scolaire. Et rappelez-vous, au niveau de niveau scolaire, on avait data. Donc on a link et puis on a data. Donc ici, on va récupérer point data. Donc en faisant ainsi, si j'actualise, vous allez voir que ma pagination en réalité, elle marche déjà. Donc si je clique sur 2, voilà, rien n'est fait, rien n'est fait. Pourquoi rien n'est fait, les amis? Alors, je vous explique rapidement. Nous avons ici mis link, mais nous n'avons pas importé link. Donc, il nous faut importer link comme on l'avait fait dans le cas de notre menu ici. On avait importé link. Alors, moi, je vais vous montrer une méthode plus simple. Étant donné qu'on va utiliser beaucoup les liens dans l'ensemble de nos composants, nous avons la possibilité au niveau du app.js, on a la possibilité de définir l'utilisation de link de façon globale. Et moi, c'est ce que je vous recommande. Lorsque vous savez que vous avez un composant que vous allez utiliser plus ou moins dans tous les autres composants, eh bien, vous pouvez l'inclure de façon globale. Donc, comment on va faire pour inclure les links de façon globale? Eh bien, au niveau de cette importation-là, nous allons importer link ici. Rappelez-vous, link vient, pour ceux qui n'ont pas oublié, link vient de ce paquet ici, ok? Donc, on peut supprimer au niveau du menu, on peut supprimer tout ça. Et on va venir au niveau donc de app.js. On va lui dire, écoute, en plus d'importer create inertia app, tu vas importer link. Et une fois qu'on a importé link, on va lui dire d'utiliser globalement link en faisant use. Et ici, on va plutôt faire component. Et là, on va lui dire utilise link. Donc partout, tu verras où on a écrit link de telle manière, ça fait référence tout simplement au link que nous avons importé ici là. Donc comme ça, de façon globale, on aura notre composant link qui sera disponible. Donc au niveau du menu, on n'a plus besoin de le référencer et encore moins au niveau de notre composant ici où nous l'avons appelé. Donc si j'enregistre, je reviens ici, j'actualise, vous voyez que tout fonctionne. Et maintenant, si je clique ici, vous voyez que je suis sur la page 1 et quand je clique sur 2, vous voyez que ça change, je suis sur 5e et 6e. Et là, remarquez qu'il y a une propriété page qui s'ajoute. Donc, tout ça, c'est géré de façon automatique. Tout ce que vous allez faire, c'est juste naviguer page 1, page 2. Page 1, page 2. Alors, ici, nous avons ici, normalement, ce sont des flèches qui permettent de reculer, qui permettent d'avancer. Mais bon, vous pouvez aussi gérer ce scénario-là. Donc, moi, ce que je vous recommande, si vous voulez travailler sur cette partie, si vous voulez vraiment personnaliser, on peut créer au fait un composant à part entière, d'accord? Donc, je disais qu'on peut créer un composant à part entière et ce composant va gérer au fait le cas là. Donc, c'est ce qu'on va faire là rapidement. Je vais créer au niveau de mon fichier JS ici. Je vais créer un dossier que je vais appeler Shared. Donc, ici, ça sera l'ensemble des composants qui seront partagés par les autres composants. Et ici, je vais dire Pagination. Pagination.vue. Ok, donc à l'intérieur de ce composant, il n'y a rien de bien compliqué.
je mets tout simplement paginette ici. Et donc là, je vais venir copier donc la pagination que j'ai ici à ce stade. Donc je vais juste copier tout ça. OK, et je vais ramener ça à ce stade-ci. Voilà. Donc là, j'ai ma pagination. Et tout ce que je vais lui dire, mon gars, je vais lui dire, écoute, là, à ce stade, il y a vraiment, il y a juste des propriétés qu'il faut que je récupère. Donc là, je vais récupérer une propriété que je vais appeler link. Donc, je vais créer ici un script, setup. Et là, je vais lui dire, je vais définir donc une constante props. Donc, define props, comme on a fait de l'autre côté. Et ici, on va lui dire, il va prendre comme paramètre les links. Donc, links, ça sera comme les liens de pagination. Et donc là, on dit que links sera de type arrière. Voilà. Et comme ça, on n'aura plus à dire props niveau scolaire. On va directement mapper avec link. Donc là, on a... Et on va lui dire que cette propriété est obligatoire. Donc, comment on fait pour dire que la propriété est obligatoire? On va définir ici un paramètre chip. Donc on dit array et on dit required, on dit true. Donc là la propriété sera obligatoire. Donc à chaque fois qu'on appelle la pagination, il faudra obligatoirement lui passer un link. Il faut lui passer cette valeur là parce que c'est cette valeur là qui va prendre pour boucler. Ensuite, il y a une autre chose les amis, vous avez remarqué que lorsque par exemple ici il y a ça, lorsque je clique dessus, ça me conduit nulle part. Là aussi, ça me conduit nulle part. Donc, je vais essayer un peu de trouver une façon de bien arranger ça. Sachez que je suis en train d'enregistrer cette formation en live. Donc, je n'ai pas travaillé sur ça avant. Donc, on va regarder ici le next page. Le next page ici, là, URL est égal à nul. Et puis, on a le prev page est égal à ça. Donc, on va exploiter les deux variables là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais plutôt utiliser je vais utiliser ce que j'avais commenté ici. Donc,
on va juste faire ceci. On va faire un shift. OK. On fait un shift et puis on fait un pop. C'est tout ça. Donc, shift va enlever le premier élément. Donc, en l'occurrence, ici, il va enlever l'élément à l'indice 0 et pop va enlever l'élément à l'indice 3. Ce qui fait qu'on n'aura que deux éléments à ce stade. OK. J'enregistre et donc ma pagination ici, je l'ai créée mais je ne l'ai pas utilisée. Donc, pour l'utiliser, je viens au niveau de index. Donc, au niveau de l'index, je n'ai plus besoin de tout ça. Je peux zapper tout ça. Et ici, je vais importer pagination. Voilà. Et je vais importer pagination. Il faut lui définir. Donc, je vais définir quelle sera la propriété de link. Donc, la propriété de link sera égale à props niveau scolaire.links. Et ensuite, je dois définir le prev. Donc, deux points, je fais prev. Ça, c'est pour le preview. Donc, ici, je vais également dire prop.niveau-scolaire. Alors, comment on avait appelé ça ici? C'était prev-page-url. Donc, prev-page-url. Donc, je vais juste formater ça pour que ça soit beaucoup plus propre. Et là, j'aurai le next. Donc, props.niveau-scolaire. Point next page URL. Voilà. Donc là, ça a été importé. Si vous remarquez, on a notre pagination ici, mais la pagination n'a pas été importée. Donc, on va l'importer à ce stade. Donc, import pagination. Voilà. On va juste enlever le fameux vue qui s'est ajouté là. Donc là, les amis, nous avons importé notre pagination et nous l'avons passé les paramètres qui vont avec. Donc, maintenant, on peut tester pour voir si tout marche correctement. Donc là, j'actualise. J'ai une erreur. L'erreur me dit quoi? L'erreur me dit que setup props link shift pop is not a function. Alors, les amis, il se passe que, apparemment, cette fonction-là, à ce stade-là, ne peut pas être appelée. Donc, ce que nous allons faire, il n'y a rien de bien compliqué, les amis. On peut gérer cette affaire. Donc, ce que nous allons faire à ce stade-ci, nous allons enlever tout ça. Nous allons utiliser une propriété computée. D'accord? Donc, faites juste ce que je vais faire là. On va importer computed. On va importer computed depuis vue. OK? Donc, vous allez enlever tout ça. Voilà. Donc, on importe computed et on va créer une propriété computée. Donc, c'est une propriété un peu comme calculée, d'accord? Constante. On va l'appeler links ou bien computed. On va dire, comment on va dire ça déjà? En fait, computed, si vous voulez. Je ne suis pas trop inspiré. Links. Et cette fonction sera égale, elle sera égale donc à computed. Et à l'intérieur de computed, on va définir donc une fonction de quelle manière cette computation sera faite. Donc ici, on va retourner. Donc avant de retourner, on va déjà créer ici une constante qu'on va appeler. Donc par exemple, array à 1. Donc notre premier tableau ici va récupérer. Donc on va mettre cette fonction juste après hein, pour ne pas qu'on ait. Voilà. Donc ici, on aura plutôt prop. niveau scolaire, c'est plutôt point links, pardon. Donc ici, on va maintenant faire un shift. Donc là, il va nous enlever le premier élément. Ensuite, on fait la même chose. Donc on prend le premier tableau. Donc, ce tableau-ci, on enlève cette fois-ci. On fait un pop. Et on va retourner le deuxième tableau. Donc, le premier tableau, on récupère ce tableau, le links là. On enlève le premier élément à l'indice 0. Et puis, le résultat qu'il nous donne, on enlève le dernier élément et puis on le renvoie. Et donc là, on va maintenant mapper. Au lieu de mapper avec links, on va mapper tout simplement avec... le computed links. On enregistre,
On va voir ce que cela va donner. J'ai toujours une erreur. Il me dit que la méthode pop n'est pas reconnue. Bon. On va débugger un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors, ici, on va également utiliser la même chose. Voilà. On va également utiliser la même chose. Donc, ce qui fait que... Ben, on va tout simplement retourner ça. Voilà. On peut zapper tout ça. Voilà. On va regarder ce que ça va donner. Voilà. Tout fonctionne correctement. Donc, nous avons notre pagination qui marche. Et vous remarquez ici, là, lorsque je viens sur précédent, je suis sur la page là. Et quand je viens sur suivant, je suis ici. Donc là, par exemple, si je suis sur 1, je suis sur 1. Et quand je viens, je suis sur 2. Et ça change bel et bien ici. Maintenant, on va gérer aussi l'activation de notre pagination. Donc, si on se trouve sur 1, on aimerait bien qu'il y ait un signe qui montre que nous sommes sur 1. Et si on se retrouve là, ainsi de suite. Donc là, on revient au niveau de notre pagination. C'est ici qu'on va gérer au fait l'activation. Donc, comment on fait l'activation? Ben, c'est simple. Donc, ici, on va dire ceci. Donc, page link, si on ajoute active ici, juste pour que vous puissiez voir, eh bien, je crois que c'est plutôt ici. Donc, si on ajoute active ici, eh bien, vous allez voir que les deux seront actifs. Donc, c'est la classe active qu'il faut ajouter. Donc, on va faire une condition, un rendu conditionnel. Donc, on va dire ceci. Tu vas mettre la classe active. Donc, rappelez-vous, on l'a déjà fait pour le menu de l'autre côté. Donc, tu vas mettre la classe active si et seulement si. Donc, link.active. Donc, au niveau de Vue.js, si vous regardez là, donc là, je déroule. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau de link, lorsqu'on regarde les objets ici, au niveau de link, on a aussi les... On a active si c'est false ou bien si c'est true. Donc là, par exemple, active ici, c'est true. Donc, nous, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, on va tout simplement lui dire... Écoute, si active est égal à true, bah tu vas mettre active. C'est tout ce qu'on va lui demander de mettre. Maintenant, au niveau de notre link ici, d'accord, on va également désactiver. Remarquez par exemple ici les amis. Donc déjà là, ça va marcher. Nous sommes sur 2, c'est bon. Quand on vient sur 1, ça marche. On vient sur 2, ça marche. Mais remarquez ici, par exemple, lorsque nous sommes sur 1, au niveau de précédent ici, il est toujours là. Il est toujours sur 1. Et lorsque nous sommes sur ici, sur 2, page suivante, c'est bon. Mais on aimerait qu'ici, lorsque nous sommes ici, normalement, il ne doit plus avoir quelque chose. Parce que, à vrai dire, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde au niveau de la... ici, là, next est nul. Parce que à partir de 2, c'est la dernière page. On ne peut plus aller sur une page suivante. Donc, ce que nous, on va faire, quand c'est nul, eh bien, on aimerait désactiver le clic ici. Donc, on va faire la même chose pour les deux cas. Donc, comment on va faire ça? Bah, c'est très simple. Vraiment, c'est très simple. Donc, déjà ici, au niveau de ce link-là, si on ajoute disable, OK, vous allez remarquer le comportement. Là, par exemple, vous voyez que c'est disable, on ne peut plus cliquer dessus. Donc, c'est juste ce que nous allons ajouter et on va conditionnellement rendre cette classe-là. Donc, en faisant quoi? En mettant classe. OK. Vraiment, j'essaie de vous expliquer dans les détails. J'espère que cela ne vous embrouille pas. Donc, on met disable. Et ici, on va dire, eh ben, il sera disable si prev est égal à ça, par exemple. C'était le cas de tout à l'heure ici, lorsque nous avons regardé au niveau de la pagination, prev est égal à nul. Donc, si c'est égal à nul, voilà. Si c'est égal à nul. Donc, on va copier la même chose et on va venir déposer ici. Ce qui fait que notre pagination sera tokos. Donc là, bon, là c'est nul. Là, c'est bon. On peut cliquer là. Suivant,
C'est pas toujours bon. Donc ici, au lieu de prev, on va plutôt dire next. C'est ça le danger lorsqu'on fait des copier-coller, on oublie parfois. Donc là, vous voyez qu'on ne peut pas cliquer. Et là, vous voyez qu'on peut cliquer. Là, on ne peut pas cliquer. Donc voilà. Si vous ne voulez pas les flèches, vous pouvez mettre ici là précédent. Ça dépend que de vous. Vous pouvez écrire précédent. Vous pouvez mettre, enlever ces doubles flèches. Vous mettez précédent. Ici, vous mettez suivant. Ça va revenir à la même chose. Voilà les amis, un peu ce qu'il fallait connaître sur la pagination. Je sais que cette vidéo elle est un peu longue, mais je voulais la faire en une seule vidéo pour vous permettre en fait de mieux saisir. Donc nous avons fini avec cette fonctionnalité. Dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur l'ajout du niveau scolaire. Allez les amis, à tout à l'heure.